Nous soutenons notre pays. La victoire sera certaine. Le Congo au Congolais. Congo Ezaya Congo. Congo Ezaya Kagamete. Mais Congo Ezaya ba Congolais. Motako Kabola Moko ya Sate. Motako Zwata ete na Moko yo Asate. Tango Batiaka ba born na Moko yo Yesu ape Sarabiso Congo. RDC Ezaya Yesu. RDC Ezaya Yesu. Et ça, il y a la communauté internationale, et ça, il y a Yesu. Yesu a fait sa bissango. Motako Boto la bissopé à sa thé. Yes. L'ambassadeur de Rwanda qui est déjà parti, il doit rester là-bas. Cette ambassade-là ne souffrira plus jamais. Et celui du Rwanda doit quitter. Et nous demandons à l'État congolais, à notre gouvernement, de nous laisser retirer. Retirer le Congo, la participation du Congo à l'organisation régionale. Et à ce, d'autant plus que nous ici, nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Par contre, ils nuisent à l'évolution des Congolais. Il nuit au progrès des Congolais. Moi, Gabi Anjungaba, nous sommes des Palou. Quand le Congo est menacé, c'est le problème des Palou. Parce que nous sommes des nationalistes. Lumumba est mort pour cette terre. Kizenga a sacrifié sa vie. Il y a eu des opposants qui se sont causés pour que le peuple congolais vive en paix. Pour que le peuple congolais progresse. Mais aujourd'hui, nous avons compris que l'ennemi du Congo, c'est le Paul Kagame. Et notre message va tout droit vers lui. Et en ce moment, je lance un appel pressant à tous ceux et ceux, aux militants du Parti Mbisse Unifié, à tous les compatriotes congolais, de laisser à côté nos problèmes. Je lance l'appel aux Africains, les Africains, les peuples du monde entier, épris de paix, qu'ils puissent condamner en ce moment cette image ici. Ceux qui suivront cette image ici, qui les transmettent par-ci, par-là, enfin d'exercer une pression sur Paul Kagame, parce qu'il travaille pour le compte des Occidentaux. Voilà. Oui, nous lançons un message à Paul Kagame, à Emmanuel Macron, à Joe Biden,
Le Congo appartient aux Congolais. Nous voulons la paix chez nous au Congo. Et nous, on n'est pas obligé, Dieu, à nous déverser toutes les richesses. Et ils sont jaloux de nos richesses. Nous voulons la paix. Il faut que nos frères, nos sœurs de l'Est soient en paix. 10 millions, c'est trop. 10 millions, c'est trop. Nous voulons que la MONUSCO parte. Plus question de MONUSCO au Congo. Point barre. Reste avancé.
Yeah.
Thank you.
Nous n'avons pas toléré, nous n'avons pas accepté. Deuxièmement, nous avons toujours dialogué et nous l'avons fait à maintes reprises. Et cette fois-ci, nous ne voulons plus dialoguer avec les gens que nous connaissons très bien et nous connaissons leurs visées, leurs ambitions. On les a mixés, on les a brassés avec au sein de nos institutions, que ce soit politique et militaire. Et on a vu les conséquences. Nous ne le ferons plus, nous ne le ferons plus. Et ce n'est pas le président de la République qui refuse, c'est le peuple congolais dans son ensemble qui refuse. Aujourd'hui, les confessions religieuses ont voulu que nous puissions marquer notre unité en tant que peuple derrière la menace qui est là, qui nous est imposée, une guerre injuste, pour que nous puissions dénoncer également les multinationales qui sont derrière cette agression. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de piller nos ressources. Et là, nous allons dresser nos enfants. Nous allons éduquer nos enfants pour que, même après 100 ans, on ne puisse plus se laisser faire en tant que peuple. Je vous remercie.
par rapport à rien. Pourquoi tu fais Maninga Tete? Les réfugiés. Thank you.